première réussie pour les bus et le tramway qui desservent le Grand Stade. Près de 28 000 personnes ont été transportées le 9 janvier dernier lors du match inaugural à Décines. On a quand même eu un petit peu plus de monde sur le tramway, notamment au niveau des navettes de la Soie et de Pardieu, et un petit peu moins sur le bus. Donc on a encore un petit peu de marge sur le bus. Ce moyen a été quand même vu comme très efficace. Tous les retours qu'on a eus, notamment Eurexpo et les Panettes, sont très très positifs. Merci, merci le TC. Des usagers globalement satisfaits donc, mais qui devront adopter de nouvelles habitudes, notamment lors des réservations de places de stationnement en parc relais. Il faut vraiment que les spectateurs qui vont au stade respectent l'endroit où ils doivent prendre la navette. C'est-à-dire que s'ils sont inscrits à Panettes, il faut qu'ils aillent récupérer la navette de Panettes et pas se retrouver à Pardieu. C'est vraiment très important pour la pérennité du système et son fonctionnement.